Ça, c'est une boîte Pokémon à 1€. Et ça, une boîte à 1000€. Aujourd'hui, mon équipe m'a préparé plusieurs boîtes Pokémon mystères de 1 jusqu'à 1000 balles. Et vous allez voir que la dernière boîte est juste sensationnelle. Noël avant l'heure. Parce que les gars, on a une enveloppe ici à 1€ et on va aller jusqu'à 1000 balles, les gars. Quasi 2000€, les gars, dans cette vidéo de Pokémon. C'est Eki qui m'a tout choisi. Il est parti sur Vinted, eBay ou quoi. Même peut-être que vous, vous nous avez vendu des trucs. Le concept, il est simple. On commence de 1€. On va monter jusqu'à 1000 et moi, je dois deviner si oui ou non, ça vaut le prix. Est-ce que Eki, tu m'as eu? Est-ce que tu m'as fumé mon argent? On va voir ça. Donc les gars, peut-être que vous allez vous reconnaître sur Vinted, vous allez peut-être se filer à faire avec Eki. Eh oui les amis, une display chinoise à gagner de EB7 comme d'habitude. Vous avez juste à vous abonner et écrire votre Pokémon, non, et votre boîte préférée dans les commentaires. Voilà, entre 1 et 1000€. Bon, moi je pense booster échantillon. Hein, je sais. On va commencer à la faire. Je connais ces petites blagounettes, les gars. Et c'est parti, on commence tout de suite. Allez, je vais l'ouvrir comme ça. Oh, c'est pas des boosters. C'est des cartes. Ok. Alors, avec 1€, on va pas aller très loin. Mais on va voir ce qu'on peut avoir pour 1€. Ça, c'est les cartes de brocante, ça. Alors, on a. Oh, 151, les gars. 1, 2, oh. 3, 4, 5, 6, 7 clésateurs. 11 cartes et une carte de paume. Bon, dans les commentaires, est-ce que oui ou non, c'est plus cher que 1€? Code CM, 20 centimes. Cote réelle? Pour moi, il y a plus qu'un euro. Pour moi, il y a 2 balles. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui ou non? Faut que je le dise? Ouais. Je veux dire quoi? Bah, je sais pas, dis que c'était moins. C'était moins? Elle est payée ça moins que 1€. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec la pomme. Ah ouais, carte market, c'est vraiment chaud, les gars. Donc voilà, j'ai commencé déjà, les gars, j'ai perdu. T'as réussi à avoir ça moins d'un balle. Bon, bah les gars, bah, bravo à Eki. T'étais nul. Hein. Ça, c'est claqué. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? En vrai, non, j'avoue que les communes de 151, on rigole, mais peut-être dans quelques années, ça va valoir un petit billet. Hein. 20€. Oh, ça, c'est épais, ça. Ça, c'est de la carte, ça. On est parti, les amis, pour des boosters. 1, 2, 3, 4, 5 boosters avec un fable nébuleux. Jamais de la vie, t'as payé ça 20€. T'as combien de boosters là? 1, 2, 3, 4, 5 boosters. T'as payé ça 4€ le booster? Moins. Impossible. Ça, c'est Choi sur Whatnot, ça, quand il se fait tuer, ça. Ça, c'est les Louis Cheng, tout ça. T'as payé ça moins de 20 balles? Ouais, moins 15€ Whatnot. Ah, avec, ouais, avec 15€ Whatnot, les amis. Et oui, le marketing, on est fort. Utilisez notre lien sur Whatnot, on va faire une semaine spéciale Kibiki. Et ouais, on est fort, les gars, dans les promotions. Je vous jure qu'on a pas fait exprès. Et toute la semaine prochaine, je fais un live tous les soirs sur Whatnot et vous avez 15 balles. Femme Nébuleux, j'ai déjà eu la carte que je voulais, donc bon, un petit peu nul. On continue avec force. Purée. J'aime bien cette série, mais je drop pas. C'est ça qui me fout la haine. Arrête, j'ai eu la Serpento. J'ai droppé la Serpento, les gars. C'est parti, même une petite egg, je serais content. Ok, rien du tout, les gars, encore une fois. Hein. Catastrophique, j'ai envie de vous dire. Catastrophique, catastrophique. On va monter au fur et à mesure. On est déjà à 50 balles après, les gars. Déjà 50 balles et. Oui! Bah tiens, c'est la Serpento, c'est pas celle qu'on veut, mais. Et on termine, les gars, tout de suite avec le dernier boubou. C'est Jason. Ok. Bon. Pas terrible tout ça, les gars. On va pas se mentir, pas terrible tout ça. Bon, moi, j'étais un peu. Là, on rentre dans ce que j'appelle le money time. On rentre dans le money time. On est à 50€. Ensuite, il nous reste 100€. Ensuite, il nous reste 200€. Ensuite, 500€. Et ensuite, 1000€. Là, c'est terminé, les blabla. Je vous menace. C'est parti. 50 balles. 50 balles, on peut avoir quoi sur Pokémon? On peut avoir une ETB. On peut avoir quelques boosters. On peut avoir une carte ultra rare. Je crois que c'est un petit carton. Carton qui est léger. Très léger. Une fois, les gars, j'ai abîmé un colis comme ça en mettant un cutter trop fort. Ok, ok, elle est pas mal celle-là, on dirait que des promotions marketing, c'est dingue. Chimpy Pack, les gars. Alors, bon, ça, il pue pas la colle. C'est les amis, ce Chimpy Pack, il a été acheté sur Vinted, les gars, parce qu'on n'a plus du tout de Chimpy, j'ai dû l'acheter moi-même sur Vinted. Et on voulait vous parler d'un truc que vous allez sûrement voir peut-être dans une vidéo d'un certain YouTuber, les gars. Je vous spoil un petit peu, c'est lui qui m'en avait parlé, il y en a d'autres qui vont en parler. C'est qu'en ce moment, il y a des gens qui s'amusent sur Vinted à faire des trous sur le bas des Chimpy pour voir la couleur de l'enveloppe et ensuite les revendre. Donc faites attention, les gars, quand même. Quand vous achetez des Chimpy Packs, surtout qui sont vendus à presque 80-90€. Kibiki, c'est concurrent à Rostock dans un an et demi pour la deuxième version. Allez, écoutez, vous savez quoi? Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir un Chimpy. Je vous fais gagner dans les commentaires, je laisse sceller comme ça. Je pense que ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre. Alors que bon, moi, les gars, je vous avoue, j'en ai ouvert beaucoup quand on les a créés. Ah, les duos de choc et tout là, tout ça là, c'est à 80-90€ sortie de display. Ça sort presque 100€ sur les applications d'enchères. On continue! 100 balles! 100 balles! J'espère que tu m'as respecté. Bah, d'ailleurs, ça, c'est plus ou moins. Il a gardé celui que je lui ai donné en fait. C'est vraiment une merde ce type. J'espère qu'il y en a pour mon argent sur les autres trucs. Hein. Et là pour l'instant c'est que des carottes que tu mets. On va régler ça après ta vidéo. Là regardez les gars, je vois quoi, des petites enveloppes. Les petites enveloppes les gars, souvent c'est quoi? Attends, on va ouvrir comme ça. Les petites enveloppes souvent c'est... Ok, ok les gars. De la carte, regardez, Massive Hit. On va regarder ça, c'est parti pour des cartes dans cette boîte mystère. On commence avec...
Ouh, Giratinavé. Les gars, sympa. C'est avec les V, moi j'aime bien en collectionner. Sympa, petite Giratinavé. Ça fait plaisir d'origine perdue. Oh, les amis, célébration avec le Florizarre. Je sais pas, ça vaut combien ça. Je crois pas que ça vaut super cher, mais c'est cool dans une boîte mystère. Et ça, de toute façon, c'est spoil. Zénith suprême. Pour moi, cette carte, elle est sous-cotée. Ça va en faire encore une dans la collection. En plus, t'as vu, on respecte le lore. Je la trouve trop, trop belle, là, la Palkia Gold. Trop. Un coffret Zénith, on va se l'ouvrir. Ah, on va s'ouvrir ça. Oh, ça va être trop bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un booster encore, Fight Paradox, et Rupture Turbo. Vous recevez ça pour 100€, vous êtes content ou pas? Regardez-moi ce magnifique booster Rupture Turbo, les amis. Achetez ça sur Vinted. On check, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a tellement de recollés et tout sur Vinted et tout. J'ai regardé scellé dans ma collection, vous savez que je suis un amoureux du scellé. Et sur Rupture Turbo, il y a quasi rien à avoir à part les cartes Turbo. Bon, on s'ouvre les deux Fight Paradox, et ensuite on se pète le Zélite Suprême. C'est parti, les gars, je vais dire la vérité. Ouh là 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 là, elle sent bon cette boîte, elle sent très bon. Il y a plus, ouais, voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Il y a plus que 100, les gars. Il y a plus que 100. J'en étais sûr sur celle-là. Ok. Parce qu'en fait, juste le coffret Zénith aujourd'hui, vous allez trouver à presque 45€. 40, 45. À 30, 30, 35, c'est déjà une bonne affaire. La Palkia aussi. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a plus le Rupture Turbo. Je sais pas si tu l'as payé combien, mais ouais, je pense qu'il y a un peu plus que 100€. Du coup, j'ai gagné. Ah ouais, je lui ai fait du sale. Allez, c'est parti les amis, Zénith Suprême, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'une des plus belles séries de Pokémon. Et tiens, vous avez vu un nouveau rayon sur Caillou? Ah les gars. Donc s'il vous plaît, faites des commandes sur la boutique. Allez, on commence Zénith Suprême les gars, une de mes séries préférées. On va aller chercher le Mewtwo. J'aime trop ces vidéos, ça me fait ouvrir des trucs qui changent. J'espère que vous kiffez et que vous... Faut que j'inspecte les boosters. C'est moi, j'inspecte pas assez les boosters, du coup c'est normal que je drop pas. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est parti, boum, c'est parti les gars. Là, je vais envoyer du lourd, Zénith Suprême les gars. Allez, allez, les arrières, elles sont bien. Oui, oh. Mew qui tombe et derrière, la petite Roy, oh là. Ah, j'ai mis des petites sleeves, regardez-moi ça. Incroyable. Voilà, ça c'est de la série les gars, ça c'est, je suis désolé. Écarlate et Violette, essaye de tester ça, mais impossible. Que 100€, on est déjà sur le budget d'une grande majorité de Français qui collectionnent des cartes Pokémon. Hein. C'est vraiment cher notre hobby. Hein. Pour ça les gars... N'hésitez pas à acheter aussi à l'unité, mais pas sur Card Market, sur Cario. Allez, c'était bon, c'est parti. Allez, et Tourmi, un sécateur, Jason et... Oui. T'as vu qu'ils avaient reprint les V. La Rayquaza V et la Dracaufeu. Zénith, c'est vraiment une série de fous. Hein. Alors, j'ai l'impression que plus on va monter, moins je vais ouvrir, parce qu'il va y avoir beaucoup d'items scellés, je pense. Parce que je connais Eki, il sait que moi, j'aime les items scellés. Et attention, dernier boubou, je le sens pas très bien. C'était nul. Bon coffret, vraiment bon coffret, très content des drops. Une boîte à 200€, une boîte à 500 balles et la fameuse boîte à 1000€. Dans les commentaires, essayez de deviner ce qu'il va y avoir dans chacune des boîtes. Franchement, ça m'intéresse un peu votre avis. J'espère que vous kiffez ce genre de concept, c'est long à préparer. Doucement sur celle-là. Doucement ? Ouais, doucement. C'est long à préparer et qu'il a dû faire 20 ou 25 commandes, soit sur Vinted, eBay, etc. Bon, et en plus, je dois lui donner l'argent pour qu'il le fasse et tout. Genre, c'est une vraie galère. Donc, j'espère que vous kiffez. Le coup du Simpy Pack, très bon marketing, Eki. Je valide, c'est très bien. À vendre, on montre qu'on est les meilleurs. Je vois des trucs de ouf, les gars, regardez. Là, c'est cadeau d'anniversaire. Oh, coffret Fugu, jaune. J'espère que c'est ça. Oh, c'est ça, les gars! Incroyable! Oh là 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 là, c'est quoi ça? Oh la dinguerie! J'ai vu sur Vinted en plus. Incroyable, les gars! Oh, comment je suis heureux! Oh là 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 là! Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est des boosters Génération. Booster Génération, en fait, c'était pour les 20 ans de Pokémon. C'est une série qui n'était pas très appréciée, je vous avoue, à l'époque. Et ça a vraiment explosé. Et surtout, bah, il y a tout le monde, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment pas. Je le trouve magnifique. Tortank, Florizarre, Dracaufeu, Raichu. Pikachu. Trop beau. Trop trop beau les gars. Regardez-moi ça. Ça c'est du plexi qui plexi. Ça, j'aime. Ça j'aime. Ça je valide. Merci. T'as payé ça cher? Ah non mais je dois deviner si c'est plus de 200. Oui. Parce qu'en fait ça, juste le booster en loose, j'en ai vu des Dracaufeu partir à 100€ dans les applis d'enchères. D'accord, fini le truc. Ah y'a encore? Y'a encore. Coffret Fulguco. Ouais. Non, ça c'est une vraie dinguerie les gars. Oh là 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 là, EB7, Ténébron Brasé, Alliance Infaillible. On est sur l'un... Ouais, t'as abusé de ouf. C'est impossible, il y a 200. Impossible. Ça, c'est en tout cas 500, ça. Tu me diras combien exactement, là, parce que là, ça m'intéresse, là. C'est une dinguerie. C'est quoi cette boîte, là? Non, elle est incroyable. Ça ouvre pas, celui-là. Non, j'ouvre pas. Ah, vu le prix, ouvre pas. Non, non, j'ouvre pas. Ça, c'est sûr que j'ouvre pas, les gars. Ah, ça, c'est ça, c'était dans ma collection scellée. Je les ai pas eu. Et dites-vous, je faisais des vidéos à cette époque-là. J'en ai pas gardé un dans ma collection. Mon plus grand regret. Je suis trop content. EB7 Alliance. Ah, je suis heureux, les gars. Ça, ça reste scellé dans la collection. Ça, on ouvre. On ouvre, et qui on ouvre. Oh, la vidéo de zinzin. Oh, le contenu que je vous propose. C'est pas tous les youtubeurs qui vous font ça, moi, je vous le dis. Hein.
Ça coûte cher. Star, Voltage, Star, Evolution Céleste. Qu'est-ce que tu... Ça, c'est du coffret, les gars. Ça, c'est magnifique. En fait, je sais qu'en en montrant ça, là, les gens vont foncer à acheter des coffrets Fulgudog. C'est une V au minimum, je suis en train de voir. Allez. VMAX ? Ah, c'est Krabos. DG bord noir, les amis. Et quand non, c'est-à-dire qu'on a holo minimum. Il se passe quelque chose aujourd'hui, il se passe quelque chose. L'oseille. Là, c'est brillant, brillant. Voltage éclatant. Il n'existe pas, Pikachu. Il n'existe pas. Il joue vraiment pour vous faire plaisir. Parce que vraiment, je vous le dis, Voltage, c'est trop, trop dur de dropper. Même quand je vends du Voltage, les gars, dans les applications, je dis aux gens de ne pas ouvrir. Malheureusement, alors que c'est une belle série. Hein. Très, très dur le taux de drop sur Voltage. Très, très, très dur. C'est sur le booster restant le plus cher, épée et bouclier. Alors, c'est pas la display la plus chère, c'est Clash des Rebelles la plus chère. Mais ça, ça rigole pas. Évolution céleste. J'espère que vous êtes chaud. On en a ouvert beaucoup sur la chaîne. Hein. On n'a rien sorti. Si, une VMAX, je crois. Une fois, une VMAX. Il n'y a rien. Je me suis spoil. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a rien. C'est Jason comme d'hab. Pourquoi ? Pourquoi les autres youtubeurs, ils ont le droit de faire des shorts, des trucs, ça drop ? Non, moi, j'ai pas le droit. J'ai jamais le droit au bonheur. Pour ça, je collectionne le CD. Le CD, au moins, voilà. Eh, hey, t'imagines, un jour, ça, je suis sûr, ça vaudra cher. Mais c'est les boosters vides. Ah. Évolution céleste, je te jure, personne ne garde ça. Allez, la meilleure série récente. Eh, hey, il nous reste encore 500 et 1000. Mettez des likes, s'il vous plaît. Que... Vous voulez que j'en fasse ce genre de concept, j'ai avoir besoin de votre soutien. D'ailleurs, j'ai un concept de vidéo, si ça peut vous intéresser, c'est on ouvre toutes les displays de EV. De 1 jusqu'à 7. On légende. Ça me coûtait cher, ça. 151, les gars. 151. Low class. Bien, ça. Ça, les gars, franchement, pas mal, hein. Non, elle est pas chère, celle-là. En fait, Eggy connaît par cœur la cote des reverse. C'est quoi la reverse qui vaut le plus cher, Eggy? En Jap, c'est Mewtwo. Ouais. En FR, je crois que c'est Ectoplasma. Ectoplasma ? Je crois. En reverse ? Ah ouais ? Regarde, les reverse 151, ça vaut un billet. Eh, s'il vous plaît, là. Eh, ça fait deux fois, là, en vidéo, là, je vous vois un coffret, il n'y a pas un hit. S'il vous plaît, un petit drac, un petit truc. S'il vous plaît. Non, les gars, je vais finir dépressif. Les coffrets, ils sont maudits, je te jure. C'est pas possible, Eki, ça fait combien de fois, là ? Même pas une ex. Je te jure, il n'y a rien. Vas-y. Écoute, lui. Il coûte 2 euros. Mais gros, c'est fait que ça. Vas-y frère, vas-y frère. C'est bon, moi je collectionne les commis. C'est à quoi les ultra rares? C'est vous êtes même pas humble. Vous êtes pas humble, les gars. Restez humble, les gars. Vous êtes pas humble en fait, j'ai compris. Moi je collectionne les communes, moi. Je suis un vrai passionné comparé à vous là, derrière la caméra. Moi je deviens fou. Je deviens fou. Heureusement, je peux crier dans ce local. Parce que sinon, hein. J'ai eu mon cutter. Je vous le dis, j'ai trop la haine. Je drop jamais sur 151. Allez, c'est parti pour 500 balles. Doucement aussi. Dans la logique, je pense celle-là, elle est nulle. Dans la logique. Parce que la 200, elle était trop bien. Oh, oh, c'est quelque chose. Win and Battle EB11. Magnifique. Bon, ça, les gars, je vais pas ouvrir, on le dit tout de suite. Ça, c'est incroyable. Ça, on va se l'ouvrir. Mais je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur ça. Destinée radieuse ETB. Alors, ça vaut combien en ce moment? 150 à peu près, je pense. C'est vraiment monté de malade. C'est un peu la hype, c'est un peu le début de Pokémon. Moi, j'ai commencé à cette période-là. À l'intérieur, on a le fameux Dracaufeu VMAX. Une série difficile à ouvrir, mais des boosters qui sont quand même magnifiques. Ensuite, un coffret Scalperer. Et c'est tout? Elle a chié, la boîte. Ah, j'achète ça sans 100 balles, je crie, gros. Ah, quoi, il y a la build, quoi, qui est bien. Il y a combien là-dedans, là? Tu y es presque, hein, parce que les builds, ça vaut cher. Hein. Alors, là, tu dis plus ou moins? Ah, bah là, c'est beaucoup moins, j'espère. Oui. Ah, c'est bon, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Si t'avais payé ça plus de 500 balles, je te pire du local, ça le fout. C'est une catastrophe, celle-là. Non. Je l'ai fait ou pas? Non. Et qui? Ça, c'est des bêtises. Ça. Allez. Ça, c'est des bêtises. Allez! J'ouvre! Ouais, mais c'est bon, les gars. Hey, commencez pas, regardez, je me suis fait traumatiser déjà. On va ouvrir des trucs à 1000 balles. Non, je rigole, restez humble, les gars. N'oubliez pas, on va tous un jour quitter ce beau monde. Dépensez votre argent sur Cario. Eh oui, il faut rester humble. Et d'avoir encore plein d'argent, aucun intérêt. All in sur Cario. Je rigole, les enfants, d'accord? Épargnez, c'est important. Parce qu'on n'aura pas de retraite. Voilà. Allez, fallait que je lâche celle-là. Enfin, ça, c'est un entrepreneur qui aura jamais de retraite. Fallait que je le dise. J'ai ouvert ça comme si c'était une boîte à 10 balles. Là, déjà, je vois, je sais c'est quoi. Sable et rose. Ça, je connaissais. Je connais ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Et qui tu m'as fait plaisir. T'as intérêt à qu'il y ait 1000 balles là-dedans.
te le dis tout de suite. Oh la 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 la. Ah, venez découvrir. Oh la 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 la. Ah, c'est quelque chose. Ah non, là, c'est quelque chose. On commence avec un magnifique coffret Sablero GX. À l'époque, il y a des vidéos de moi, j'en ai ouvert. J'en avais acheté 700. Enfin, pour 700 euros. J'ai mis toutes mes économies dedans. Je les ai tous ouverts. Mon plus grand regret, j'en ai pas gardé un seul dans ma collection. Et en fait, moi, j'avais acheté une version où il n'y avait pas le Evolution. Il y avait une version Soleil et Lune. Et ça, c'est l'ancienne version. T'as dû payer ça une blinde. Alors, les gars, je vous le dis parce qu'en fait, simplement, le Harmony et le Evolution, vous êtes allés 50, 100 euros juste avec les deux boosters. Ensuite, vous rajoutez ici, c'est épais bouclé de Bax, personne n'en a. Le coffret, en plus, il est scellé. Pour moi, aux alentours des 120, 130, 140 euros, vous êtes déjà sur une belle affaire. Je sais pas si c'est des protections plexi de coffret. Alors, les gars, vous dire, mais Kiwi, qu'est-ce que tu racontes? Les gars, display EV2, il y en a de moins en moins. En fait, on peut plus les commander chez les fournisseurs, donc nous on est obligé de passer par des particuliers pour en prendre maintenant. Donc voilà, display EV2, il m'en reste en plus sur ma boutique. Faites-vous plaisir, il y en a plus. Vraiment, je vous dis, on peut plus en commander. Donc faites très attention, ça va skyrocket, je pense. Attention, je fais pas un conseil en investissement, mais si vous en voulez dans votre collection, n'hésitez pas. Parce que EV2, il y en a de moins en moins et c'est une belle série quand même. Alors, ça, dédicace à Pokébunker, ça c'est un truc qu'il aime bien, ça. Origine perdue, ETB. Pff, ça aussi, hein. Pour moi, l'une des plus belles. Je pense que ma préférée, c'est Star Étincelante. Et après, c'est celle-là. Trop bien. Des Pokémon de quelle génération? Elle commence pas avec tes générations de 4G nulles là. Parce que c'est juste épée bouclier, y'a pas de belle OTB. Si, voltage éclatant, elle est belle. Je viens d'avoir le flashback, la rouge, jaune là, il est haut, elle est horrible. Ça, c'est ta gêne encore? Ouais. Vas-y frère, c'est du favoritisme. Et t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah. Ouais, j'aime bien, j'avoue. T'as 2 ETB. Après, attention, on est loin des 1000 hein. Ça, je sais pas, allez, 200, là, 400. Ah ouais, si, ça monte assez vite. Ça laisse pour la fin, ça. Ça à la fin? Laisse pour la fin. Oh, ça aussi, les gars, incroyable. Alors ça, on fera une vidéo, les gars. Je vais pas ouvrir tout ça directement en vidéo. Je suis désolé. Je sais que ça vous hype, mais je préfère faire des vidéos dédiées. Il faut bien que je monétise un peu. Ah, s'il vous plaît. Parce que là, ça m'a coûté quand même bonbon. Ça, trop bien. Ça sera peut-être sur Whatnot ou quoi. À l'intérieur, il y a des boosters XY. Trop, trop bien. Valisette ultra prise. Et ça, c'est... En fait, c'est les items où j'ai commencé. Hein. Si vous suivez mes vidéos depuis des années, c'est les items où j'ai commencé. Hein. Et ça, dedans, vraiment, il y a des bangers. Bon. On était obligé, le meilleur coffret de l'histoire. Ça, à Noël, je vais vous en faire gagner, ok? Je le garde pour Noël et je vais vous le faire gagner, les gars. Caillou, coffret Dracolos. Et c'est un coffret à Noël où je pense vraiment on va pleurer sur ce poulet. 2 EB7, 1 Eclipse Cosmique, 1 Reine de Glace. Comme je vous ai dit, les boosters Soleil et Lune, c'est une galère à trouver. EB7, la meilleure série. Et Reine de Glace aussi, série qui est juste exceptionnelle avec le 0 Aura Alternative. Trop heureux. Ah ouais, pochon de cartes. C'était un lot. Ah, c'était un lot? C'est des petites zoos. Ah ouais, c'est vraiment le lot de la Hesse. Hein. Ah mais ouais, c'est un mec qui a vendu ça d'un côté, de côté. Ah d'ailleurs les gars, on va vous offrir des trick or trade sur la boutique. Voilà, je tiens à vous le dire quand vous allez faire des achats. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est incroyable. Ça aussi c'est bien. Bon, ça c'est cool. Du foutage de gueule, j'espère. Ça très bien à côté. C'est du foutage de gueule. Si tu sais quoi ça fait. C'est pas le lot du siècle les gars. Je sais pas pourquoi t'as acheté cette bêtise. C'est un mélange de tout en fait. Catastrophique le lot. J'ai rien dit. Il est vraiment bien le lot. C'est bien ça. On a connu mieux, on va pas se mytho. Ça? Ouais. Oh. Ah ouais non, ça rigole pas là. Ah là tu me fais plaisir. Oh, l'Art7! Incroyable, Art7, ciel, rugissant. Ça reste direct dans ma collection. Je vais acheter des plexis, là, comme ça, là. Ça va être trop, trop beau. Là. Avec les générations, là, je vais les empiler, là. Ça va être incroyable. Je suis un grand fan des boosters comme ça. Le problème, les gars, à chaque fois, hein, c'est que c'est souvent recollé. Ah, je crois qu'on arrive bientôt à la valeur, parce qu'il faut que je joue le jeu. Hein. 1000 euros, les gars, dans les commentaires, pour ça que j'ai gagné ou pas. Parce que ça. Ouais, on y est presque. Hein. On y est presque. Je pense qu'on y est presque. On y est presque, mais pour moi, on est en dessous. Ça doit être 100 euros de valeur. Vas-y. À peu près. Vas-y. 150 grand max. C'est lourd. Hein. Le stress monte. Ouais, je sais quoi ça. Wow. On va découvrir ce qui se cache derrière. Je me suis pas spoil. C'est quoi ce plexi de fou là? Ça c'est pour fumer le 9 mois des gens ça. Je vais reconnaître d'où vient le plexi aussi. Ah ouais? Ouais. Wow, t'as abusé. Oh, c'est le plexi du gala! La valeur de la box, limite. C'est impossible, c'est 1000 balles. Donc tu penses qu'on en a plus? Impossible que c'est moins de 1000. Impossible, juste ça, là. Juste ça, tu prends juste ça. Avec l'Art7 et la valisette, c'est terminé.
Ça c'est au moins 500, 600 en vente. Non? Ça c'est plus de 600. Ça. Voilà, c'est impossible. Mais on est impossible. À moins. Tapez-moi! On est à moins. J'y crois, hop, tu mens. On est à moins. Tu mens! C'est impossible, les gars. Attends, frère. Sablero. Juste ça, ça fait 1000. Attends, tu veux que je te montre tous les combos, ça fait 1000? Non. J'y crois pas, tu mens. Comment t'as fait? Je l'ai fait grader. Ah, c'est ton drac au feu! Ouais, je l'ai fait grader. Donc, qui a été sorti de booster en plus? Sorti de booster mini chill en plus, je me rappelle. On est à quoi? On doit être à 60 euros. Ouais, mais ça compte pas vraiment, les gars. Prix d'achat? Non, ça compte pas. Les gars, dans les commentaires, et qu'il a un peu abusé, les gars. Vous pensez qu'il a abusé ou pas? C'est quoi? On les laisse se juger. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce concept. Franchement, j'étais comme un gosse. Merci, Eki. Il nous a fait un travail de malade. Et la prochaine fois, on fera la même chose, sauf que c'est moi qui offrira à Eki. Ça, c'est bien, ça, non? Allez, sur ce, vous avez juste à cliquer juste ici pour une vidéo.